sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Certains personnages inconnus de leurs contemporains deviennent des légendes après leur mort et d'autres, presque divinisés de leur vivant tombent ensuite dans l'oubli. Et c'est plutôt à cette deuxième catégorie qu'appartenait le personnage que Franck a choisi de ressusciter pour nous cet après-midi sur Europe. Hein bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet sortir Buffon de sa naphtaline et vous donner à contempler ce qu'est un esprit fertile, audacieux, fort, extrêmement travailleur aussi. Vous verrez cet homme-là, avant tous les hommes, S'est posé euh, de vraies questions sur l'âge réel de notre planète, sur les transformations des espèces. On ne peut pas encore parler d'évolution avec lui, mais il y avait déjà quelque chose, une amorce, sur la place de l'homme dans la nature, euh, etc. Vous allez voir que Buffon va bien plus loin que l'image qu'on s'en est faite. Quand on parle de Buffon aujourd'hui, évidemment, on pense aux très, belles aux très belles pages, vous savez, très belles planches euh, euh, de, représentant tous les animaux là, en couleur, toutes ouais, ces très belles éditions, etc. Mais. Euh, Buffon ne s'est pas contenté de décrire la girafe et le porc épic. Alors trois invités avec vous aujourd'hui pour parler de Buffon et pour ceux qui voudraient leur poser des questions, il suffit de se rendre sur le site europe1.fr ou bien sur la page Facebook de l'émission. L'émission Au cœur de l'histoire et eh bien nous y serons aujourd'hui plus que jamais et ce vous allez voir grâce à un témoignage exceptionnel, je pèse mes mots. 30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. La chaise de poste avance à vive allure sur les routes de Bourgogne. La chaise de poste, vous c'est l'ancêtre de nos minicars. Elle vient de quitter la cité de la cité fortifiée avec ses grandes tours à poivrière de mur aux portes du Morvan et penchée à la portière. Vous trouvez un jeune homme, un jeune parisien de 25 ans, cheveux dans le vent, il est grand et beau, il est riche et bien né, il est promis à tous les succès. Il faut vous dire qu'il est déjà avocat du roi, autrement dit procureur au Châtelet, et qu'il ne tardera pas, grâce à la faveur de la reine Marie-Antoinette en personne, à décrocher le poste d'avocat général au Parlement de Paris. Le garçon très brillant, donc remarqué parce que remarquable. Ce garçon-là va bientôt laisser un nom dans l'histoire de France. Il est le futur révolutionnaire héros de Seychelles, l'ami de Danton, vous savez, qui montera avec lui à l'échafaud et mourra à 34 ans seulement. Alors, pour le moment, nous sommes en 1785, il n'est pas encore question de révolution, ou si peu. Et si le jeune Marie-Jean Hérault de Seychelles s'est lancé dans ce long voyage de Paris en Bourgogne, c'est qu'il s'est mis en tête d'aller rencontrer chez lui à Montbard l'un des hommes les plus illustres de son temps, aussi connu à l'époque que Voltaire ou Jean-Jacques Rousseau, mais bien plus lu que l'un et l'autre réunis, une gloire du siècle des Lumières, académicien, intendant du jardin du roi, le jardin du roi c'est l'ancêtre de notre actuel Muséum national d'histoire naturelle, un personnage Anobli par Louis XV et célébré dans toute l'Europe, jusqu'en Russie, jusqu'à la cour de Catherine, pour son œuvre immense. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon. C'est ce nom-là, Buffon, qui est passé à la postérité. Le nom et le monument de papier qui lui est associé parce que euh, depuis 1749, M. de Buffon, sans se laisser distraire, n'aura eu de cesse qu'il n'ait publié les quelques 36 volumes de sa monumentale histoire naturelle. Du Carmina Burana, danse de Karl Orff sur oui, l'indicatif, ouais. histoire naturelle. <laughs> C'est un petit clin d'œil, évidemment. Vous allez voir cette émission est bourrée de clin d'œil. On parle d'histoire naturelle, évidemment aujourd'hui. Alors, le jeune procureur héros de Seychelles est impatient. Un une chance inouïe veut qu'il nous ait laissé une relation très détaillée de sa rencontre avec le grand naturaliste. Ça s'appelle tout simplement. « Le voyage à mon bar ». Voilà ce que nous dit euh, Hérault de Seychelles. « J'avais une extrême envie de connaître M. de Buffon. Instruit de ce désir, il voulut bien m'écrire une lettre très honnête où, allant de lui-même au-devant de mon impatience, il m'invitait à passer dans son château, le plus de temps qu'il me serait possible. Vous pensez si le garçon euh, a sauté sur l'occasion Alors le voilà, en voiture avec son valet et ses mâles. Il se retrouve à Montbar, devant un château qui ressemble en fait plus à une très grande maison de ville, euh, vaste, vraiment vaste, mais sans ordonnancement très précis. En plus, la maison donne carrément dans la ville et derrière, elle monte il y a une sorte de jardin, mais qui est un jardin euh, qui la domine avec toute une série de terrasses. C'est assez particulier comme configuration. C'est le fils de Buffon qui vient accueillir Marie-Jean, et puis euh, il le conduit, évidemment, euh, à travers les salles de la maison, jusqu'au grand homme. Là, Marie-Jean sent son cœur s'emballer. De quelle vive émotion j'étais pénétré en montant les escaliers, écrit-il, en traversant le salon orné de tous les oiseaux enluminés, tels qu'on les voit dans la grande édition de l'histoire naturelle. Me voici maintenant dans la chambre de Buffon. Il n'en revient pas, le gamin, il décrit chaque détail. Il sortit d'une autre pièce, et je ne dois pas omettre une circonstance qui m'a frappé parce qu'elle marque son caractère. Il ouvrit la porte. Et quoiqu'il sût qu'il y avait un étranger dans son appartement, il se retourna fort tranquillement et fort longtemps pour la fermer, ensuite il vint à moi majestueusement en ouvrant ses deux bras. Voilà une première image qui marque le jeune Parisien. Euh, en effet, euh, Buffon prend tout son temps. On sent que quelqu'un qui doit quelque part être assez content de lui, on va le voir. Euh, C'est un parisien, notre un visiteur, évidemment. Il faut imaginer les impressions très fortes que, do que doivent dégager, euh, que, que doivent produire sur lui euh, bah, toute cette province profonde, encore campagnarde, avec ses lumières, ses parfums bien tranchés. Le jeune voyageur n'en croit pas ses yeux. Il a le grand, bouffon, le grand Buffon pardon, juste devant lui en personne. Je lui, je lui balbutiais quelques mots. Il me répondit en m'embrassant. Je dois vous regarder comme une ancienne connaissance, car vous avez manifesté du désir de me voir, et j'en avais aussi de vous connaître. Il y a déjà du temps que nous nous cherchions, dit Buffon. En 1785, le naturaliste a tout de même soixante dix-huit ans. À quoi ressemble-t-il? Eh bien, patience, Marie-Jean va nous le dire. Je vis une belle figure, noble et calme. Malgré son âge de 78 ans, on ne lui en donnerait que 60. Et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que venant de passer 16 nuits sans fermer l'œil et dans des souffrances inouïes et qui duraient encore, il faut savoir qu'à l'époque, Buffon souffre de la maladie de la gravelle qu'il fait vraiment souffrir, la maladie de la pierre. Il était frais, nous dit euh, Héros de Seychelles, frais comme un enfant et tranquille comme en santé. On m'assura que tel était son caractère, jamais d'humeur. Jamais d'impatience. Alors, pour nous, lecteurs du XXIe siècle, c'est évidemment une grande chance que héros de Seychelles ait rendu cette visite au grand naturaliste et qu'il en ait confié ses impressions au papier, parce que grâce à lui, nous possédons le plus précis, le plus émouvant des témoignages sur un bonhomme qui, sans cela, nous paraîtrait sans doute passablement abstrait. On a conduit le visiteur à ses appartements. Désormais, pendant plusieurs semaines, il va se trouver en situation de partager le quotidien du grand savant et de multiplier les entretiens avec lui. Un exemple de ce qu'il en a retenu. La conversation étant tombée sur le bonheur de connaître jeune l'état auquel on se destine, il me récita sur le champ deux pages entières qu'il avait composées sur ce sujet dans un de ses ouvrages. Sa manière de réciter est infiniment simple et commune, le ton d'un bonhomme, nul après, levant tantôt une main, tantôt l'autre, disant comme les choses lui viennent, mêlant seulement quelques réflexions. Buffon a-t-il des tics de langage? Bon, on va le savoir. Ses mots favoris sont « tout ça, tout ça, tout ça, tout ça » et « par Dieu, par Dieu, par Dieu » qui reviennent continuellement. Sa conversation paraît n'avoir rien de saillant, mais quand on y fait attention, on remarque qu'il parle bien, qu'il y a même des choses très bien exprimées et que de temps en temps, il y sème des vues intéressantes. <laughs> Compliment à double tranchant tout de même. Vous l'aurez compris, Marie-Jean Hérault de Seychelles s'est aussi, en dépit de toute son admiration, se montrer un peu vachard. Un des premiers traits de son caractère, écrit-il plus loin, c'est sa vanité. Elle est complète, mais franche et de bonne foi. Je lui disais ainsi qu'en venant le voir, j'avais lu beaucoup de ses ouvrages. Et que lisiez-vous me dit-il. « Je répondis, les vues sur la nature. »« Ah, il y a là, répliqua-t-il à l'instant, des morceaux de la plus haute éloquence, en effet. » Et oui, c'est ainsi. Monsieur de Buffon n'est pas fâché avec lui-même. Bah, après tout, on peut être un grand personnage et en être conscient, c'est peut-être une des formes de l'humilité, après tout, que de ne pas affecter de fausses modesties trop criantes. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Volière tirée du Carnaval des animaux de Camille 500 sur Europe ah, Cette circonstance, hein, vous ah bah oui, Plus jamais. Euh, C'est nos planches en couleur à nous finalement. Le buffon que je vous donne à voir cet après-midi à travers le regard un brin moqueur du jeune héros de Seychelles est évidemment un vieux monsieur confie dans ses succès, dans la gloire et toussant un peu à force d'être encensé. Mais euh, il n'a pas toujours été cet homme-là, bien entendu, et tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, nous essaierons de comprendre, en compagnie de grands spécialistes, de ces biographes, nous essaierons de comprendre ce qui a pu justifier cette gloire de Buffon en son temps, et ce qui peut expliquer son oubli dans le nôtre. Pour l'instant, suivons le jeune Parisien dans euh, son exploration de la vaste demeure morvandelle du Maître. Je vis de grandes volières où Buffon élevait des oiseaux étrangers qu'il voulait étudier et décrire. Je vis aussi la place d'une fosse qu'il avait comblée et où il avait nourri jadis des lions et des ours. Je vis enfin ce que j'avais tant désiré de connaître, le cabinet où travaille ce grand homme. Il est dans un pavillon que l'on nomme la Tour Saint-Louis. On monte un escalier, on entre par une porte ou, par une porte verte pardon, à deux battants. Mais on est fort étonné de voir la simplicité du laboratoire. Sous une voûte assez haute, et là, euh, Hérode Seychelles décrit longuement la voûte il a fait porter un mauvais secrétaire de bois au milieu de la salle, salle qui est carrelée, et devant le secrétaire est un fauteuil. Voilà tout. On sent que là, Marie-Jean est un peu déçue. Mais mademoiselle Blesseau, qui est la gouvernante du naturaliste et qui se charge de tous les soins de la maison, ne tarde pas à lui faire découvrir un autre sanctuaire domestique, le véritable cabinet du maître. Le vrai, si vous voulez c'est le cabinet où il a composé presque tous ses ouvrages, chuchote le Parisien, le berceau de l'Histoire naturelle, où Jean Jacques Rousseau lui même se mit à genoux et baisa le seuil de la porte. On y trouve un canapé, quelques chaises de cuir noir, une table, sur laquelle sont des manuscrits, une petite table noire, voilà tous les meubles. Comme beaucoup de jeunes gens, le visiteur est impressionné on le comprend bien par l'écart qui sépare cette simplicité affichée de la gloire où Buffon a su se hisser de son vivant. Je le redis, à la veille de la Révolution, il est un des Français les plus connus au monde. Alors comment a t-il atteint ce statut? Eh bien, Marie Jean a déjà sur le sujet sa petite idée. Son exemple, nous dit il, et ses discours m'ont confirmé dans l'idée que qui veut la gloire finit par l'obtenir, ou du moins en approche de bien près. Mais il faut vouloir, et non pas vouloir une fois, il faut vouloir tous les jours. Monsieur de Buffon me dit à ce sujet un mot bien frappant Le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience. Remarquez que le mot patience doit s'appliquer à tout, dit Marie-Jean. Patience pour chercher son sujet patience pour résister à tout. « Tout ce qui s'en écarte, patience pour souffrir tout ce qui accablerait un homme ordinaire. » Et avec cette franchise qu'il caractérise, le jeune effronté ajoute « Monsieur de Buffon a toujours été fortement occupé de lui-même, et préférablement à tout le reste. »« Comme je savais que beaucoup de femmes avaient reçu son hommage, je demandais si elle ne lui avait pas fait perdre de temps. »« Quelqu'un qu'il connaissait parfaitement me répondit à sa place. » Monsieur Buffon a vu constamment trois choses avant toutes les autres sa gloire, sa fortune et ses aises. Il a presque toujours réduit l'amour au physique seul. Réduire l'amour au physique seul, voilà un programme bien étrange en cette fin de XVIIIe siècle et en même temps partagé par tellement des contemporains. L'admirateur inconditionnel qu'était héros de Seychelles serait-il en train de prendre ses distances avec son modèle Eh bien, en fait, ça n'est pas si sûr. Car en dépit de ces petits coups de griffe que l'on constate comme ça à droite et à gauche dans sa relation, dans son voyage à Montbard, c'est bien une forme de dévotion qui transparaît dans le souci presque puéril qu'a de Seychelles de nous raconter par le menu à quoi ressemble une journée du grand homme. Ça encore, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet précisément de le savoir. Euh, c'est un emploi du temps, vous allez voir Julia, moi ça me conviendrait pas mal. Je me dis qu'on ne perdrait pas son temps à prendre un tel emploi du temps pour modèle. Alors si vous êtes prêts, voilà comment se, se déroulent les journées du maître, en tout cas lorsqu'il est chez lui à la campagne, lorsqu'il n'est pas chargé de l'administration du jardin du roi à Paris, et qu'il se trouve tranquillement dans la campagne de Montbard. À 5 heures, il se lève, nous dit euh, Héros de Seychelles, à 5 heures donc bientôt, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque on vit avec le soleil, hein, évidemment. Il s'habille, se coiffe, dicte ses lettres, règle ses affaires. À 6 heures... Il monte à son cabinet qui est à l'extrémité de ses jardins, ce qui fait presque un demi-quart de lieu. Alors, un demi-quart de lieu, si vous calculez, ça fait environ 500 mètres. Et la distance est d'autant plus pénible, nous dit Marie-Jean, qu'il faut toujours ouvrir des grilles et monter de terrasse en terrasse. La défense à qui que ce soit de l'approcher. Sa manière, alors il est en train de travailler, on a bien compris, il travaille seul et loin du monde. Sa manière est de relire souvent ce qu'il a fait, de le laisser dormir pendant quelques jours ou pendant quelques temps. Ça, c'est un très bon conseil au passage. Alors on sait, par ailleurs, que la plupart des textes de Buffon, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ont été dictés à des secrétaires, et c'est peut-être ce qui, du reste, leur a donné cette tournure un peu déclamatoire que d'Alembert, notamment, et parmi d'autres, lui a reproché. Lui leur leur a reproché, puisque je parlais des textes. Euh, en l'occurrence, il est à Montbar, c'est un vieux monsieur, et l'on a bien l'impression, si l'on écoute Hérode Seychelles, qu'il écrit lui-même. À 9h, on lui apporte à déjeuner dans son cabinet, ou quelquefois il le prend en s'habillant. Ce déjeuner, ce qu'on appelle nous donc un petit déjeuner, est composé de deux verres de vin et d'un morceau de pain. Il travaille ensuite jusqu'à une ou deux heures. Il revient alors dans sa maison, il dîne, il aime à dîner longtemps, c'est à dîner qu'il s'abandonne à toutes les gaietés, à toutes les folies qui lui passent par la tête, son grand plaisir est de dire des polissonneries. Je ne sais pas si les polissonneries en question sont tellement du goût du Pérignas. Le Pérignas, c'est ce moine qui vit à demeure chez Buffon, au point de faire quasi partie des meubles. Du reste, c'est bien sur le chapitre de la religion que le jeune Parisien est le plus est le plus bluffé, si l'on peut dire, par euh, la philosophie buffonienne. Je tiens de M. de Buffon, qu'il a pour principe de respecter la religion qu'il en faut une au peuple, que dans les petites villes on est observé de tout le monde et qu'il ne faut par conséquent choquer personne. J'ai toujours nommé le Créateur, me dit il, mais il n'y a rien, mais il n'y a, pardon, qu'à ôter et mettre naturellement à la place de ce mot la puissance de la nature puissance de la nature qui résulte de deux grandes lois l'attraction et l'impulsion. Quand la Sorbonne m'a fait des chicanes là-dessus, je n'ai fait aucune difficulté pour lui donner toutes les satisfactions qu'elle a pu désirer. Après tout, ce n'est qu'un persiflage, mais les hommes sont assez sots pour s'en pour contenter. Cette fois, je vous garantis qu'Héraud de Seychelles bat des mains. Une telle liberté d'esprit, et notamment une telle distance prise par rapport à la religion, ne peut que flatter ce libre penseur qui deviendra le révolutionnaire que vous savez. D'ailleurs, Hérault de Seychelles en rajoute Je lisais un soir à M. de Buffon des vers de M. Thomas sur l'immortalité de l'âme. Pardieu, la religion nous ferait un beau présent si tout ça était vrai, me dit-il. Retour à notre emploi du temps modèle. Après tout, c'est la vie d'un grand seigneur des lettres en Bourgogne au beau temps de Louis XVI. Après son dîner, nous dit Héro de Seychelles, il ne s'embarrasse guère de ceux qui habitent son château ou des étrangers qui sont venus le voir. Il s'en va dormir une demi-heure dans sa chambre, puis il fait un tour de promenade toujours seul, et à cinq heures il retourne à son cabinet se mettre à l'étude de cinq de, pardon de cinq heures jusqu'à sept. Alors il revient au salon, fait lire ses ouvrages, les explique, les admire, se plaît à corriger les productions qu'on lui présente et sur lesquelles on le consulte. Telle a été sa vie pendant 50 ans, on devrait préciser telle a été sa vie pendant 50 ans durant les six mois de l'année qu'il passe précisément à Montbar. À 9h du soir, il va se coucher, nous précise haut de Seychelles, il ne soupe jamais. Vous écoutez un nouvel extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, Aquarium, puisque Franck Ferrand s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 au naturaliste Le Comte de Buffon. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, mais à la une aujourd'hui sur Europe 1 une gloire du siècle des Lumières, Buffon. Et Béatrice nous dit c'est un message qui nous arrive par Facebook. Mon enfance a été bercée par le livre Histoire naturelle, édition de Buffon 1867. Je connais l'édition en question, c'est vrai que c'est très beau. Livre donné par mon père et que je feuilletais presque tous les jours avec des illustrations superbes sur les animaux. Ce sont les illustrations en couleur de Martinet, en l'occurrence. Buffon s'entourait des meilleurs dessinateurs, bien entendu, aussi bien pour les planches anatomiques en noir que pour les sublimes planches représentant les animaux en pied et qui sont... Qui sont J'en ai plein ma chambre, moi, par exemple. C'est très, très... C'est très raffiné, c'est très beau, notamment les oiseaux qui se parent de toutes les couleurs. Alors, à l'époque où le jeune héros de Seychelles lui rend, lui rend visite chez lui en Bourgogne, à Montbard, en 1785, le comte de Buffon euh, a presque terminé son grand œuvre. La publication des 36 volumes de l'histoire naturelle est presque à son terme. Alors nous allons revenir tout à l'heure, après le Flash, sur cette œuvre hors du commun, sur les conceptions et les théories scientifiques de Buffon, et surtout sur ce style inimitable qu'il avait pour décrire les animaux. Un style qui lui a été aussi reproché, considéré peut-être un peu par certains comme pompeux. Voilà ce que notre Cicérone dit à propos de la passion dévorante du maître des lieux. Je cite Hérode Seychelles « C'est de l'histoire naturelle et du style qu'il aime le mieux à s'entretenir. Je ne sais même si le snil n'aurait pas la préférence. » Le style est l'homme même, répète-t-il souvent. Les poètes n'ont pas de style parce que la mesure du verre fait d'eux des esclaves. Quand on vante un homme devant moi, je dis toujours Voyons ses papiers. Sous-entendu, regardons ce qu'il a bien pu écrire. Donnez-moi donc vos principales idées du style, lui demande Marie-Jean un beau matin. Oh, elles sont dans mon discours à l'Académie, répond le vieux bonhomme, mais il se laisse quand même faire. Au reste, en deux mots, il y a deux choses qui forment le style, dit-il l'invention, et l'expression. L'invention dépend de la patience. Il faut voir, regarder longtemps son sujet, etc. etc. Il, il décrit toute cette idée de l'invention. Quand vous aurez un sujet à, à traiter, conclut-il, n'ouvrez aucun livre, tirez tout de votre tête, ne consultez les auteurs que lorsque vous sentirez que vous ne pouvez plus rien produire de vous-même. C'est ainsi que j'en ai toujours usé. Vous voyez que son exemple, son propre exemple, est toujours mis en avant. Nul doute que pour Hérault de Seychelles, jeune avocat du roi au Châtelet, ce séjour morvien aura été un des plus beaux épisodes de sa vie courte mais dense, et le regret de quitter le comte de Buffon transparaît clairement dans les dernières lignes de son récit. Je quittai peu de jours après ce bon et grand homme, dit il, emportant dans mon cœur un souvenir profond et immortel de tout ce que j'avais vu, de tout ce que j'avais entendu. On pourrait croire que c'est le mot de la fin, eh bien pas tout à fait. Il était dit que j'aurais encore une fois le bonheur de le voir, ajoute en effet notre voyageur. En quittant ce mur pour retourner à Paris, la poste me ramena par mon bar, contre mon attente. Je ne pus m'empêcher, quoiqu'il fût sept heures du matin, d'envoyer mon valet de chambre savoir des nouvelles de M. de Buffon. Il me fit dire qu'il voulait absolument me voir. Lorsque je le revis, je me jetai dans ses bras et ce bon vieillard me serra longtemps contre son sein avec une tendresse paternelle. Et Marie-Jean, héros de Seychelles, de conclure. Voilà tout ce que je sais sur M. de Buffon. Comme ces détails ne sont que pour moi, je m'y suis étendu avec complaisance et non sans une sorte de vénération. D'où vient cette vénération, sur quoi s'appuie-t-elle C'est ce que nous allons voir ensemble et avec nos spécialistes juste après le flash de 14h. 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, avec euh, vos invités aujourd'hui sur Europe 1. Gilbert Joseph, il est historien et auteur de Buffon, Le sacre de la nature chez Perrin. Également avec nous, Yves Lessu, ancien directeur de la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Paris et auteur de Buffon, La nature en majesté chez Gallimard Découverte. Ce Muséum national d'histoire naturelle qui ouvre sur le jardin des plantes, où si longtemps Buffon a lui-même officié. Dans la première moitié du XXe siècle, écrit Gilbert Joseph pour clore sa très belle biographie, quand on pratiquait encore les bonnes manières, on voyait parfois un visiteur soulever son chapeau en passant devant la statue de Buffon installée en 1907, donc dans ce fameux jardin. Placée au milieu de l'exubérance florale d'un parterre, elle ouvre la perspective du jardin qui file jusqu'aux abords de la Seine. Elle le représente trônant dans un fauteuil, comme le génie tutélaire qui patronne l'ensemble de ce haut lieu de la nature tant qu'il durera. Le souvenir de Buffon, c'est d'abord le souvenir de l'intendant du Jardin des Plantes, Gilbert Joseph. Oui. Euh, Buffon avait beaucoup intrigué pour être nommé intendant du Jardin des Plantes, tout en n'étant pas encore naturaliste mais euh, il avait des dons d'administrateur qu'il avait pu développer dans ses propres affaires, et il avait également, euh, euh, disons, l'oreille euh, du comte de Maurepas, qui, qui, ouais. qui a joué un rôle essentiel dans sa carrière et qui avait une très grande influence. Jusqu'à sa disgrâce d'ailleurs. On ne peut pas parler d'intrigue chez Buffon, mais en revanche, il y a un sens du réseau euh, très, très quasiment avant-gardiste et poussé. Euh, Buffon euh, a placé des pions à peu près dans toutes les administrations, il sait se faire bien voir, il sait mettre en valeur son travail. C'est quelqu'un qui s'est fait lui-même, on peut le dire. Il serait, si j'ose cet anachronisme, un self-made man. Il serait un self-made man, ou comme on dit aujourd'hui, avec euh, un certain mépris, un autodidacte. Oui, voilà. Mais euh, en, en réalité, c'était un homme d'études. Et même avant d'être nommé à l'intendance du Jardin du Roi, il avait déjà eu une production qui n'avait rien à voir avec la nature et qui était orientée vers les mathématiques. Quelle est aujourd'hui, Yves Lessu, euh, l'image le, que les naturalistes euh, les plus modernes, si est qu'on puisse encore leur donner ce nom, euh, gardent, conservent de Buffon Eh bien, euh, c'est une image qui, l'on peut dire, s'améliore. Buffon a été très maltraité par le XIXe ah oui, siècle dire, oui. après avoir été encensé et au-delà au XVIIIe. Euh, on a commencé de le réhabiliter un peu à l'extrême fin du XXe siècle, à l'occasion euh, des bicentenaires de sa naissance et, et, de, et de sa mort. Et euh, sa, son retour en grâce, si je puis dire, doit, doit beaucoup à, à un homme qui lui a quasiment consacré sa vie, Jacques Rocher, qui a écrit avant M. Joseph une autre, une autre biographie. Aujourd'hui, on considère que Buffon a été un des grands esprits de son temps, compte tenu, euh, compte tenu évidemment des erreurs qu'il a pu connaître, et commettre. Alors pardon. on verra tout à l'heure justement quelles étaient ses bonnes intuitions et quelles ont été ses erreurs sur un plan scientifique. C'est intéressant. Et puis oui. nous, nous reviendrons aussi sur ce style, car c'est avant tout un homme de lettres. Nous avons vu que le style avant tout peut-être pas, avant tout mais largement un homme de lettres et qui se passionnait euh, beaucoup pour, ces, pour le style. Mais euh, on peut dire déjà que Buffon est une véritable incarnation de l'homme des Lumières. Il est vraiment l'homme du XVIIIe siècle, de oui. l'Ancien Régime en tout cas. Juste, il meurt quelques mois seulement, oui je ne l'ai pas dit ça, oui. mais il meurt Et en avril dernière, 1788. C'est sa dernière dire... réussite. Il a tiré sa révérence <laughs> Juste quelques mois avant la seulement révolution. avant la réunion des États généraux. Exactement. Quelques semaines, même, on peut dire. Oui, oui. Quelques... Oui. Traître juste, juste avant. Oui. Alors, euh, cet homme du XVIIIe siècle aura parcouru finalement tout ce grand siècle-là. Mais oui, puisqu'il est né en 1707, au milieu du règne de Louis XIV, et mort, comme nous venons de le dire, à la veille de la Révolution. Il a parcouru tout le siècle. C'est un homme des Lumières, incontestablement, par euh, son esprit scientifique, par ses idées. Il a évidemment connu tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait à son temps. Mais en même temps, cet homme qui a parcouru tout le XVIIIe siècle est profondément insolitaire. On voit qu'il aime travailler seul, qu'il aime méditer, réfléchir. Pas, seul, de Seychelles l'a bien noté. Ah oui, il, bien dit. Il, est, il se promène seul, oui. il monte, il met son bel habit rouge brodé pour monter seul dans sa tour et y travailler. On a, on a au XIXe siècle euh, Construit une image très, très fausse de Buffon, dont on a voulu retenir, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, que la plus noble conquête de l'homme, les manchettes <laughs> de dentelle et le style et l'homme-même. Les même. fameuses manchettes de M. de Buffon. Ce euh, n'est devenu... pas inexact. Dans l'inventaire après décès <laughs> de ses biens, il y en a. Une bonne quantité. Et, et pour cause, il faut dire qu'il était quand même d'un milieu tout à fait, euh, tout à fait favorisé. Hein. Il est né dans une, certaine, dans une relative opulence, certes en province, en oui. Bourgogne, mais son père euh, était, un, était un notable de, de ah, Dijon. Oui. oui, son père euh, était un notable d'abord à Montbard, mm -hmm. où Bouffon est né, et ensuite, euh, grâce à un héritage, euh, il a pu. Euh, s'installer comme euh, conseiller du Parlement en Bourgogne, à Dijon. Et évidemment, euh, Buffon, dès sa jeunesse, euh, il devait avoir 7 ou 8 ans, a hérité euh, d'une fortune assez considérable que son père a gérée. Il était contre... ami du fameux président de Brosse qui a tant oui. raconté ses voyages en Italie, Exactement. le Grand Tour, comme on oui. disait à l'époque. Hein. Oui. Et euh, donc, Buffon, qui avait donc hérité... Euh, une fortune très importante a su la faire fructifier. Mais ça n'est pas pour autant un, un jeune viveur, loin de là. C'est un, un étudiant très scrupuleux. C'est un très bon mathématicien, notamment. Oui, c'est un très bon mathématicien. Euh, il avait pris contact euh, avec un mathématicien à Genève, euh, Kramer. Et, euh, et à un moment donné. Euh, il voulait s'orienter vers les mathématiques quand est arrivée cette fameuse vacance du poste. De... Alors, ça, c'est la chance incroyable oui, de la vie de oui. Buffon. C'est que d'un seul coup, le poste d'intendant du Jardin du Roi vient à... vient à vaquer et que par un jeu de relations, précisément, il peut l'occuper. Ça va décider de sa carrière et de quasiment de sa vocation, disons-le, Yves su. Oui, c'est d'ailleurs ce, ce qui frappe dans la vie de Buffon. Euh, c'est lorsqu'il est nommé dans les conditions que vous venez de rappeler intendant du jardin du roi en 1739, il a 32 ans. Euh, au dix-huitième siècle, avoir 32 ans, c'est être déjà avancé dans la vie. Il a eu une espèce, une sorte d'errance de, intellectuelle euh, jusque-là, mais c'était un homme. Euh, devant lequel la fortune n'avait pas besoin de passer deux fois. Il a très bien employé ses premières <laughs> années à se faire oui. une réputation, à entrer à l'Académie des sciences et à cultiver un certain nombre de relations utiles. Plus tard, d'ailleurs, Buffon ne sera jamais un courtisan, mais il va souvent à Versailles, et quand il va à Versailles, c'est pour visiter les bureaux du ministre de tutelle, obtenir des postes et des crédits. Mmh. Vous faites un joli engin, lui disait Madame de, Madame de Pompadour, si l'on en croit Madame du Hausset du moins. Euh, Buffon va partager son temps habilement entre les responsabilités qu'il occupe à Paris et puis euh, son plaisir et son étude à Montbard, chez lui, dans sa campagne, dans son retranchement, d'où sortira la célèbre histoire naturelle sur laquelle nous allons venir dans un instant. rappelez, intendant du Jardin du Roi, en 1739, il a 32 ans. Euh, au XVIIIe siècle, avoir 32 ans, c'est être déjà avancé dans la vie. Il a eu une espèce, une sorte d'errance de, hein, intellectuelle euh, jusque-là, mais c'était un homme euh, devant lequel la fortune n'avait pas besoin de passer deux fois. Il a très bien employé ses premières <laughs> années à se faire oui. une réputation, à entrer à l'Académie des sciences et à cultiver un certain nombre de relations utiles. Plus tard, d'ailleurs, Buffon ne sera jamais un courtisan, mais il va souvent à Versailles, et quand il va à Versailles, c'est pour visiter les bureaux du ministre de tutelle, obtenir des postes et des crédits. Mmh. Vous faites un joli engin, lui disait Madame de, Madame de Pompadour, si l'on en croit Madame du Hausset, du moins. Euh, Buffon va partager son temps habilement entre les responsabilités qu'il occupe à Paris et puis euh, son plaisir et son étude à Montbar, chez lui, dans sa campagne, dans son retranchement, d'où sortira la célèbre histoire naturelle sur laquelle nous allons venir dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant Franck Ferrand sur Europa. Il a donc décrit une grande partie du monde animal bien entendu, il n'a pas vu tous les animaux qu'il décrivait, mais il s'est documenté avec, je crois, beaucoup d'honnêteté intellectuelle grâce à un réseau de correspondants très étendu euh, et auquel il portait beaucoup de soins, alors la question qui se pose lorsqu'on parle de buffon c'est bien celle du rapport non seulement à la nature mais de la description qu'on peut en donner de l'approche qu'on peut en trouver, comment rendre compte de de la réalité. Euh, sans d'ailleurs faire référence à, à toute la tradition, euh, ça c'est très important de le préciser dans le cas mmh, de Buffon. Oui. Et comment créer des catégories qui permettront eh bien de d'expliquer le, natu, le naturel, d'expliquer la nature. C'est ça la grande question de sa vie à laquelle il n'a pas véritablement répondu. Il, a, il y a répondu très amplement, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est ce que pensent les scientifiques modernes. Il n'a pas répondu. Euh, oui et non, Monsieur Joseph le dirait comme moi. C'est un des grands problèmes qu'ont abordés les, les philosophes et les scientifiques, souvent les mêmes au XVIIIe siècle. Comment rencontrer le monde, comment comprendre le monde, quelle méthode adopter pour comprendre le monde à une époque où euh, les découvertes de toutes sortes, euh, notamment dans le, règne, dans le domaine de l'histoire naturelle, puisque nous parlons de cela, se sont multipliées. Le nombre des espèces animales, le nombre des espèces végétales, s'est multiplié ah oui, dans euh, des proportions dans des, très rapidement et oui. dans des proportions impressionnantes. Comment euh, organiser cette matière qui s'accumulait, euh, qui s'accumulait notamment au cabinet d'histoire naturelle du roi? Il fallait bien aborder cette matière, en venir à bout, la, la classer, la, classer, alors, la comprendre. La comprendre. Et alors, c'est là que deux écoles euh, s'affrontent, et c'est la raison profonde pour laquelle Buffon s'est si mal entendu avec son rival du Nord, Liné. Liné a eu le grand mérite de, la de, de, oui. de classer toute ce, tout cette euh, réalité, d'organiser une sorte d'arbre généalogique avec des divisions de plus en plus fines dans lesquelles il a rangé les plantes et les animaux. Et, ce faisant, il a eu le sentiment qu'il avait dominé la question. Pour Buffon, répond non, pas du tout, parce que tout ça c'est très commode, certes, quand on veut classer des choses sur les rayons, mais ça ne rend pas compte de la réalité des choses. C'est toujours, dans... toujours ce vaste débat entre euh, théorie et pratique, et voilà. en quelque sorte entre Platon et Aristote. L'inné du côté de Platon est euh, probablement Buffon du côté d'Aristote, de l'expérience, de l'empirisme et de l'observation. On peut dire ça comme ça, si l'on veut. Alors, euh, Buffon dit, puisqu'il s'est occupé surtout des animaux, Buffon dit, dans le règne animal, il n'y a qu'une seule chose qui est vraie, c'est l'espèce. Parce que dans une même espèce, les individus se reproduisent, ont une postérité. Ça, c'est incontestable. Mais euh, dire que l'âne est un cheval dégénéré, euh, non, ça, tout ça, ça ne va pas. Et alors, il pousse la provocation jusqu'à commencer son histoire naturelle par le cheval, la plus noble conquête de l'homme, et traiter aussi, aussitôt après, du chien. Et il dit-il, après tout, je vois pas pourquoi on ne mettrait pas le chien derrière le cheval, puisqu'il a l'habitude de trotter derrière le cheval. <laughs> Voilà, ça c'est une rosserie à l'égard de, de Linné. De même qu'il dit, une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature. C'est toujours pour la même raison. Parce que Buffon, Buffon voit grand. Buffon, avant tout, ça n'est pas un spécialiste. C'est un homme qui conçoit la réalité d'une façon panoramique. Jean Rostand a écrit quelque part, Buffon était plus doué pour la fresque que pour la miniature. C'est exactement ça. Oui, finalement, il y a chez lui euh, peut-être l'incapacité de s'imposer aussi face au réel. Ce que vous montrez, euh, Gilbert Joseph, dans votre biographie, c'est que Buffon est en correspondance permanente avec énormément de, de confrères, qu'il est un homme euh, d'écoute également et d'échange. Oui, euh, il a des correspondants euh, un peu partout. Il y en a un qui était très important en Guyane. Et euh, alors que son allure pouvait en imposer, c'était un homme extrêmement modeste dans ses rapports avec d'autres naturalistes, et il les questionnait sans aucun phare, et surtout dans son œuvre, en bas de page, ou même dans le texte, il rend hommage à tous ceux auxquels il a emprunté un peu ou beaucoup. Mais ce qui est surtout euh, exceptionnel lorsque, dans ce qui vient d'être dit, c'est la manière dont Buffon rencontre des choses. Ça. Par exemple, euh, lorsqu'il parle des minéraux, rendre les pierres attirantes, les rendre vivantes, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et c'est sans doute dans, ce, dans cet aspect moins connu de son œuvre où tout son génie. D'abord, son génie d'observation et son génie d'écrivain éclatent. Et contrairement à ce qu'on ce qu a pu dire au XIXe siècle ou même au début de ce siècle, son style peut-être pompeux euh, dans quelques paragraphes. Il est surtout très limpide. Il est d'une limpidité totale, il est, est, est d'une ouais, oui, clarté totale. Et si euh, je ne voulais pas en faire bondir quelques-uns. Je dirais que lorsque l'on lit ces phrases fleuves qui n'offrent aucune aspérité, on songe parfois euh, au style un peu cahotant euh, de Proust. Oui, il y a, il y a presque du pré-Proust finalement. Oui. Et vous avez totalement raison, je l'avais ressenti. Consacrez deux minutes, s'il vous plaît, nous demande Hélène sur Internet, à parler de Buffon, chef d'entreprise sociale d'avant-garde des Forges de Montbard de Buffon, devrait-on d'ailleurs plutôt préciser, juste à côté. Et c'est Raphaël également qui nous dit, Bonjour, connaissez-vous les grandes forges de Buffon en Côte d'Or Ces forges ont été construites par le comte de Buffon et sont merveilleusement bien gardées en état aujourd'hui. Eh bien, rassurez-vous, nous y venons juste après la publicité. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europa. Franck Ferrand, sur Europa, au cœur de l'histoire. Je vous ai dit que nous allions faire un saut du côté des Forges de Buffon. Je rappelle simplement, parce qu'il faut que vous notiez ça, que Yves Lessu est l'auteur de Buffon, La Nature en Majesté. C'est un des, un des numéros de la très belle et passionnante collection découverte chez Gallimard. Donc, La Nature en Majesté. Et Le Sacre de la Nature, c'est le sous-titre mmh. du Buffon, la grosse biographie de Gilbert Joseph, qui elle paraît ces temps-ci chez Perrin. Nous avons en ligne Alix vessière pommeau qui est de la famille. Des propriétaires de la grande forge de Buffon en Bourgogne. Bonjour Alix Vessia-Pomo. Bonjour monsieur, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous recevez chaque année pas mal de visiteurs aux forges de Buffon Oui, on arrive à avoir à peu près 13 000 visiteurs chaque année. Alors qu'est-ce qui les motive ces gens ils viennent, ils viennent voir l'endroit, euh, ils viennent voir les, les forges qui ont été créées par Buffon Exactement. ou bien ils découvrent Buffon à l'occasion de cette visite euh, en général, il découvre et Buffon et son côté maître de forge oui. qui, qui est assez méconnu. Oui, parce que en fait, c'est le paradoxe hein, c'est que Buffon est infiniment moins connu qu'il a pu l'être. Cet homme, cette gloire du 18e siècle euh, est devenu aujourd'hui presque un inconnu. C'est assez extraordinaire. Alors, oui. dites-nous, ces forges, elles ont été fondées par le maître en 1768, ce qui veut dire qu'il avait déjà 61 ans. Et il se lançait dans la métallurgie sur le tard, ce naturaliste Un peu, oui. Mais c'est toujours en lien avec son, sa fameuse histoire naturelle. Mm -hmm. Comme disait euh, M. Lessus tout à l'heure, euh, il y a une, une partie sur les minéraux. Euh, or, en, en Bourgogne, en, près de Montbard, dans la région, nous, étions une, nous sommes toujours une région sidérurgique mm -hmm. due à la présence euh, de, de minerais de fer. Donc Buffon s'est attelé à ces minéraux et a souhaité pouvoir faire des expériences sur ces minerais de fer euh, et pour ensuite euh, écrire ses expériences dans son histoire naturelle. Mais alors, euh, ces, ces forges, elles produisaient néanmoins, bien entendu. Ah, bien entendu, oui, oui elles produisaient. Et puis, il en profitait donc, pour faire ses expériences sur la chaleur, voilà, sur la dureté du fer. Elle produisait près de 450 tonnes de fer par an. Alors, une de nos auditrices, Hélène, que je citais déjà tout à l'heure, nous dit euh, quand les « Quand les intempéries empêchaient le travail des forges, Buffon continuait à payer les ouvriers pour être sûr de les récupérer dès que le travail reprendrait. Car comme cela, il n'allait pas chercher de travail ailleurs. Il avait aussi une sage femme au service des familles, logées dans des logements à la forge. Il y avait véritablement un projet social chez cet homme bien avant les, les, les idéaux et les, et les utopies du 19e siècle Alors oui, effectivement, Buffon a, a vu grand, euh, comme d'habitude, puisqu'il voulait donc construire déjà une forge euh, très précurseur, puisque sur un même lieu avoir les trois ateliers pour fabriquer le fer, et puis à côté, juste à, à côté de la forge, au-dessus. Euh, une grande cour d'honneur tout autour de laquelle il y avait des logements pour tous les ouvriers qui travaillaient à la forge même. Alors. Donc ces ouvriers travaillaient dans la forge et vivaient avec leur famille tout au long de l'année. Alors cette forge qui est très bien entretenue par votre famille mmh. euh, est ouverte là, ça y est, c'est ouvert on peut la visiter oui. oui, oui, nous sommes ouverts de, de début avril jusqu'à fin octobre. Bon, mais très bien. Vous pouvez ah. visiter tous les jours sauf le mardi. <laughs> il faut donc aller à Buffon même. Exactement, qui est à 7 km de Montbard Voilà. Euh, et, ce, et en général les visiteurs aiment beaucoup cet endroit puisque bien que euh, ça ne marche plus en tant que forge bien entendu depuis non, 1876, bien sûr, oui. euh, les bâtiments restent splendides de très belles ah oui, vraiment oui il y a de très plus c'est plus que des vestiges hein. on visite vraiment la forge comme si on y était hein. c'est vraiment ça avec quelques reconstitutions de rois de soufflets de soufflets hydrauliques ce qui en fait un peu une visite atypique, puisque en plus le cadre est, est très agréable. Oui, le cadre est le cadre très beau. Bah, c'est notre, notre chère Bourgogne. Vous savez, depuis que je m'occupe d'Alésia, moi je suis moins bien vu par les Bourguignons, mais je continue <laughs> de les adorer néanmoins. Merci beaucoup, Alix bessière Pomo, Merci, de nous avoir parlé de cette grande forge de Buffon. Alors, il y a une chose qui me rend malade, c'est que je vois qu'il nous reste une minute d'antenne. Et on a beaucoup parlé du style de Buffon et on n'en a rien lu. Il faut vraiment que vous nous aidiez, Yves Lessu. Vous pouvez nous lire quelque chose de Buffon Qu'est-ce que vous auriez à nous est ce qu'on pourrait le citer, cet homme, quand même? Je peux, je peux lire une, une phrase de Buffon. Dans, il faut lire toute l'histoire naturelle parce que c'est toujours dans les endroits où on ne l'attend pas qu'il y a une idée extraordinaire. Voilà, par exemple, ce que Buffon écrit à propos du soufre. Tout s'opère parce que à force de temps tout se rencontre et que, dans la libre étendue des espaces et dans la succession continue du mouvement, toute matière est remuée, toute forme donnée, toute figure imprimée. Ainsi, tout se rapproche ou s'éloigne, tout s'unit ou se fuit, tout se combine ou s'oppose, tout se produit ou se détruit par des forces relatives ou contraires qui seules sont constantes, et se balançant sans se nuire, animent l'univers et en font un théâtre de scènes toujours nouvelles et d'objets sans cesse renaissants. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Buffon. Merci à vous, messieurs. Et puis, nous, Julia, nous nous retrouvons évidemment demain.